Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Resident Evil 7. Bon, je remets le chrono en route et on est parti. Je sais pas comment je vais organiser encore la sortie des épisodes, on verra bien. Fort que j'y réfléchisse, c'est ça. C'est le deuxième épisode quand même. On a bien avancé. Donc là, cette fois-ci, au moins l'échelle ne se casse pas la gueule, j'espère. Parce que sinon, ça va faire un peu répéter. J'ai déjà vu cette séquence. Ah, ça fait peur. J'ai pas assumé. Oh, c'était dégueulasse. Regarde à gauche. Ah merde. Ok. Ok. J'ai pas aimé. Jesus. Et j'ai pas aimé du tout ce que je viens de voir. Est-ce qu'on peut toujours descendre par là? Non, c'est bloqué maintenant. Ouais, mais je sais pas trop ce qu'on doit faire parce qu'on est censé monter. Le problème c'est que c'est pour monter il faut avoir le plomb là qui manque. Et on l'a pas. Donc on va bien voir. Est-ce que par là... Oui. Ah! Elle est plus là. Ça, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Que la tarée ne soit plus là. Je sens qu'elle va nous réattaquer au premier coin de rue. Comment ça se passe ici? Des changements? Non. Non. Rien de rien. C'est bloqué. Tant mieux. J'avais pas vraiment envie de redescendre par là. Alors, qu'est-ce que... Où est-ce que ça pourrait être? Fais quelque chose si je tape dedans? Non. Par où ça pourrait être? On va voir s'il n'y a pas un truc par là. Pas un truc que j'ai pas vu, non. Ce serait trop simple. Putain. On va refaire une petite sauvegarde, hein. Une petite sauvegarde des familles. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et on y retourne. Allez. Forcément pas là, de toute façon, on a fait le tour. Si. Eh ben. Eh ben non, bon. Bah là, alors là, je sèche. Je sèche, au pire, si je mets trop longtemps, on fera une ellipse, hein, mais là, je... Ah non, j'ai le coup de boulon maintenant pour... Ah bah il est là le fusible, d'accord. J'ai entendu bouger à droite au moment. Ah, la tarée elle est là. Elle est revenue. Oui tu... J'aime pas ça. Pourquoi je fais des let's play sur des jeux d'horreur? Au secours. C'est bon. Elle m'a fait peur. I know you didn't mean to hurt me. You shouldn't have done that. It fucking hurts. Et ça fait pas mal. Yeah.
Mais allez, enlève-le. Enlève-le. Mais tiens, on va prendre ma main, hein. C'est immonde. Et pourquoi il pousse pas avec le moignon? Me heal maintenant parce que j'ai l'impression que c'est quand même un truc avec le coup de la tronçonneuse, c'était scripté, donc je sais pas trop. Ça vaut le coup pas de se soigner. La visée, elle est dégueu, quoi. Alors, à quoi ça ressemble ici? Toujours les mannequins, cette fois les mannequins sont présents. Essayons de... Et elle est avec la tronçonneuse derrière. Ah non, devant. What the fuck. Mais c'est... Ah, c'est... Mais c'est... Ah ouais. D'accord. What the fuck? Hey, ça, j'ai bien remarqué que j'étais mort. Putain. Putain de merde. Qu'est-ce que je fasse, quoi? J'ai un bras. Elle m'a déjà coupé un bras. Le taille. Ok, fine. Comment je vais me battre contre une taille avec une tronçonneuse qui a des pouvoirs, quoi? Qu'est-ce que je... C'est what the fuck, quoi, quand même. Non, cette fois-ci, on va aller voir la porte. Ouais, des balles. Je tirais quand même plusieurs balles à l'autre et je sais pas trop comment je vais arrêter. Je vais l'arrêter, enfin, cette fois au moins on sait qu'elle atterrit derrière nous. Go back home. I have to do this. Meurs. Mais saloperie de merde. Ah mais cours maintenant. Prends-toi un peu la main, je crois que c'est la... Oh là là, non. C'est chiant, quoi. Faut que je me barre. Okay, fine. Je vais me barrer, hein. Soit si je vais essayer de run.
Regarde bien ce que ça fait. Ah bah cette fois-ci, il n'y a pas de balle ici. Ah si, c'était là. Monte. On se casse. Ouah non mais sérieux. What don't you want me to know? Meurs quoi. Meurs. Ouais, moi aussi je t'aime. Reste par terre. User joined your channel. What the fuck, quoi. L'échelle est en ruine, la maison est en ruine. On ne lui donne pas de tronçonneuse, quoi, c'est. Welcome to the family, son. What? Sors d'où toi, à quel moment t'es arrivé? Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est lui, papa. Come on. Don't you die on us now. You have work to do. Qu'est-ce que... C'est quoi ce délire, hein? Oh, c'est immonde. Where am I? What the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Who are all you people? Where's Mia? Eat it. It's good. Dumb son of a bitch wasn't no good if it hit him. Lucas! Oh, God. Oh. Not again! Get out the way, Marguerite. Hit-Boy's got to eat. He got to have his supper. Come here, boy. Just do this. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. He's not eating it, Jack. He's not eating it. Get the hell up, Marguerite. Oh, thank that for him. Get the hell out of here. You're a son of a bitch. Oh, I can't believe it. He's a son of a bitch. He's not eating it. He's not eating it. Elle est morte à côté. There is a special feast. My boy. C'est lui avec son bras coupé à côté. God damn it! I'll bet it's that cop again. God damn pigs! I'm coming back for you. Oui. Ok. Mais elle est complètement décédée à ma gauche là, c'est... faites quelque chose. Et l'autre qui est parti sans son bras. Me dites pas que mémé elle va se réveiller. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je peux bouger. Super. Ça va aller du coup. C'est depuis des millénaires. Hein.
De l'herbe. Un truc pour soigner. Ouais. Ok. Pas une grosse famille de tarés. Non, il peut pas prendre de couteau pour essayer de se défendre un minimum. L'herbe, on va la mettre sur un slot qui s'est placé. Hop. Des pompes. Une pompe. Ouais. Ouais. Non. Qu'est-ce qu'il y a par là? Une munition de pistolet. Ce sera bien qu'on le retrouve, un pistolet. C'est pas l'impression d'aller prendre. Comment il s'appelait déjà l'autre? Clancy? Ah, c'est peut-être Clancy. Non. Aucune idée. User left your channel. Putain, c'est... découvrir une nouvelle partie de la maison. On va lui reparler, hein. Non, ça, on en vient. C'était la cuisine. Holy shit. Partir par là. Il va pas venir ici, l'autre. Comment ça se rue? Qu'est-ce que j'ai, moi? J'ai rien à disposition, quoi, pour essayer de me défaire de... ruban adhésif. Comment on pourrait faire? J'ai pas envie d'aller voir là-bas. The way out, you know. Oh putain. Ouais. Here I come. Oh shit. C'est pas un courant par là, hein. Oh putain de merde. You wasted your time. Cassos. Ah, le brin, et là je me prends un coup de pelle, non? Et merde. Oh, you know what? Fuck it. Y'a rien, quoi. Qu'est-ce que je fasse avec... Comment je me casse, moi? C'est le trop psychopathe avec sa femme, oui, en effet, c'est lui. You can't hide from me, boy. Ça a l'air d'être la fille, sans doute. Peut-être la fille originale. Non. La trappe, c'était quoi la trappe? Don't worry, I'm still here. Hein? Ah!
Oh, les chutes de FPS. Oh, c'est moche. Oh, pour... C'est quoi ces chutes, là? Random chute de FPS de merde. Ouais, non, c'est bon. Pas très stable, tout ça. C'est pas très stable, tout ça. C'était en bas, je crois. Non, c'est pas ça. Putain, il était où cette trappe? Je suis persuadé d'avoir vu... J'ai vu un truc dans le sol. Don't be scared. Il est une voix de gamin. Pourquoi il est une voix de gamin? You came to the wrong house, boy. Merde. La belle bande de taré, quoi, il va me taper avec ma jambe maintenant. Je peux recoller ma jambe avec vite. C'est quoi ce délire là? C'est un truc que je comprends pas trop. C'est une famille de tarés, ça, il n'y a pas de souci. Hein. On est complètement d'accord tous, je pense, pour dire que c'est des tarés, mais là, il y a quand même des questions à se poser sur le what the fuck. Déjà, espèce de produit qui me recolle la jambe. Je parie qu'il va, il va envoyer un grand coup dans le sol pour essayer de me trouver dans pas longtemps. Ça serait typiquement le genre du gars. Est-ce que j'ai un peu de produit? Non, j'ai pas de produit en rab. C'est vraiment la grosse merde. Ok. Ok, là on a un truc pour sauvegarder. Sauvegarde. Plan de la résidence principale, mais... Là, clairement, on est dans la grande maison. Hein. On a des objets dans l'inventaire. C'est quoi? Pour créer des objets, une... c'est tel quel. Ah, on peut créer un truc comme ça avec une herbe et un fluide chimique. Ça, c'est bien de savoir. Permis de conduire, pièce défense. Une boîte offerte par Zoé, continuez qui peuvent vous être utiles, d'accord. Ouais, donc ça déjà c'est un spawn, on est plus ou moins safe ici, tant mieux. Alors comment examiner? Là on verra bien ce que ça fait. Peut-être qu'on va essayer de l'utiliser comme ça, en trichant comme ça. On verra bien ce que ça fait. Permis de conduire, ok. Examiner. Quoi ce produit? Chelou. Boîte de fourniture. Alors. Ok.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, remettre de premiers soins forts. Il y a différents levels. Premier soin, d'accord. Ok, soit. Qu'est-ce qu'il y a comme intérêt cette pièce? Je sais pas. Je sais pas, on va remettre la caisse là-dedans. C'est tout. Ok, bon. C'est quoi ça? C'est des chaussettes, oui, forcément, ça pue. Ça pue un peu. On va se soigner une fois. J'espère que c'est pas un remède fort qu'on vient d'utiliser. Non, ça va. Ça va, ça va. Allez. Une nouvelle sauvegarde. Et on va couper ici, je pense, cette vidéo. On va en profiter qu'il y ait la sauvegarde là. Bon, c'est... On va sauvegarder. C'est vraiment chelou pour le moment. Je sais pas trop quoi en penser. Point de vue optimisation, pour l'instant, on a quand même eu une espèce de freeze. Donc là, en record normal, je suis à 90 FPS. Et le freeze m'a fait tomber à entre 25 et 30, quoi. Donc c'était assez violent. J'ai pas encore installé les drivers AMD, donc j'ai pas été voir s'il y avait des drivers AMD qui étaient liés au jeu. Donc ça peut être lié à ça aussi. Ça peut tout simplement être aussi un problème d'optimisation du jeu, hein. On va recommencer à sauvegarder. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, et à bientôt pour la suite, l'épisode 3, je sais pas quand est-ce que je le tournerai, je sais pas quand est-ce que je le publierai, en tout cas, ce let's play s'annonce flippant un petit peu quand même, hein. Je sens que je vais être un gros fragile. Allez, salut, bye.